Voilà, 60 ans après, les problèmes d'eau et le problème d'électricité ne sont jamais réglés. Et aujourd'hui, je dirais, quel bilan que ces derniers font. Ceux qui se sont accaparés du pouvoir au Congo-Brazzaville, vu les souffrances et la difficulté dans lesquelles les populations vivent au quotidien. Sur le plan financier, sur le social, c'est triste. Et voilà le quotidien de cette population en ce jour du 15 août. Après 61 ans d'indépendance, rien ne change. Nous ne faisons que reculer. Je pense qu'il est temps que les vrais, je dis bien les vrais fils de ce pays, s'asseyent pour dire non. Non à la barbarie, non au détournement, non aux enrichissements illicites qui ne profitent pas à nos populations, qui manquent de tout. Je dis bien de tout.